Tiens, c'est 19h, il me semble que c'est l'heure. Hey, salut, bienvenue dans ce nouveau The Big Gameuski, un The Big Gameuski qui sera le stream de du désolé. Désolé, parce que je vais être désolé et plus d'une fois. Aujourd'hui, on va traiter d'un jeu qui fait partie de l'histoire du jeu vidéo. Alors tout de suite, je vois vos petits yeux s'écarquiller en se disant « Damn, il va encore nous ressortir un jeu 80s !» Bravo ! C'est exactement ce qui va arriver, puisqu'il y a parmi les shooters horizontaux un titre culte que je n'ai pas encore parcouru. Et honte à moi, il serait temps de le partager. Et ce titre, ça n'est rien d'autre que le fameux, le fabuleux Defender. Defender, concept simple et con comme la lune, on va dire, puisque c'est un scrolling horizontal, tout ce qu'il y a d'essentiel. Vous pouvez aller devant, vous pouvez aller derrière, vous pouvez aller surtout très très vite, et c'est là que le jeu devient excellent. Et puis il y a des sales martiens qui viennent sur le sol de votre planète récupérer vos scientifiques que vous devez à tout prix protéger. Donc vous avez un nombre déterminé de bestioles à éclater pour chaque stage. Et ensuite, tout ne tient qu'à votre skill. On va foncer dedans, ce sera beaucoup plus simple. Alors, le stream du désolé, pour quelle raison? Ben, je vous l'explique tout de suite. C'est il se trouve que j'ai un petit problème sur la manette et l'émulation, et du coup, je peux pas changer de direction comme je veux. Oh, ce son. Il vous faut l'image, c'est magique. Ah, dommage, raté. De pas grand chose. Ah ouais, il y a du gros noise là. Alors voilà l'animal. Comment se présente-t-il? Il faut préalablement lire un petit peu les informations sur la démo. Fais voir ta démo, pépère. Alors pourquoi Defender et Legendre? Defender et Legendre. Kong. Ben parce que, en fait, ça fait partie des premiers jeux qui, face au succès de l'arcade, ont été très très rapidement adaptés sur les consoles de salon de l'époque. Alors je vous rappelle qu'une console de salon de l'époque, c'était un truc qui tournait avec un pros qui était au maximum à 4 Hz, on va dire. Voilà, 4 MHz. Donc, il n'y avait pas grand chose en entente de votre vidéopack, si vous voyez ce que je veux dire. Car il y avait même une version vidéopack, il me semble. Et les gens qui ont connu ça se rappellent que le vidéopack était probablement... Voilà, je l'ai dit. Comment ça, ça a coupé? Oh, c'est étrange. Non, mais la console vidéopack... Quand vous voyez une VCS d'Atari après, comparer une vidéopack, vous avez l'impression que c'est de la haute définition, quoi. Sur un vidéopack, vous aviez que des rectangles et des carrés, quoi. Une forme triangulaire, c'était un exploit à avoir. Et je ne parle pas de tout ce qui concerne des courbes, des cercles et compagnie. Enfin voilà, trêve d'être méchant sur cette vieille console qui a quand même permis de vulgariser la venue des consoles de salon dans les salons, justement. On va jouer. Alors, une touche pour avancer, une touche pour tirer. C'est la guerre. Alors vous voyez, c'est vif. Mes petits pitous au sol que je dois absolument protéger de cette menace martienne. Et normalement, je devrais pouvoir changer de direction, mais là, je ne peux pas. Alors je ne sais pas pourquoi. Enfin, pourquoi fallait-il absolument empêcher les extraterrestres de kidnapper vos savants? Enfin, tout simplement parce qu'une fois qu'ils ont kidnappé un savant, ils acquièrent la technologie et deviennent super bad. C'est-à-dire généralement très très speed, et pas forcément agréable. Pour votre durée de vie. Ouf. Ah, il y en a un qui est en train de me tuer. Donc on voit qu'il s'est transformé, le bougre. Je sais pas sur quoi j'ai touché, mais j'ai touché d'après le jeu. Soit. Les lois du jeu vidéo sont inéluctablement celles de la raison. Non, même en rêve. Ah, il m'a fait apparaître un autre. Ah, j'ai réussi à changer de direction! Ça y est, c'était sur une gâchette, bordel de schnitzel. Oh. On va s'en refaire une, du coup. Parce que là, je vais être carrément bon. Présomptueux. Jamais. Jamais. Oh.
C'était pour savoir ce qu'il fallait pas faire. Bien entendu. Foutez la paix à ces pauvres savants qui n'ont rien demandé. Qui viennent juste de faire repasser leur jolie chemise blanche. Et des fois ça passe autour. Hein. Donc Defender, oui, beaucoup de stress, parce que c'est vrai que quand on se mettait à speed avec... Oh purée, les ennemis qui t'apparaissent sur la gueule, c'est pas très très fair play, ça. Yes! Jeu plein de speed. Alors là, j'ose pas trop speeder parce que je pense que je vais faire du caca. Ça, ça s'appelle scorer. Oui, monsieur. Car quand on sait un scientifique, on score comme un porc. Alors, j'avais une super bombe, je m'en suis jamais servi. On va s'en refaire une que je vous fasse voir quand même. L'extraordinaire, spectaculaire, génialissime, super bombe, qui ne va pas manquer de faire gagner à coup sûr. Pour le faire, lui. Alors, la super bombe, qui va être là-dessus. On va attendre que je sois vraiment dans la grenade. Ne vous pas aller trop vite hein, dans ce jeu parce que vous regrettez assez rapidement. C'est super agréable pour les minots, mais là on va à fond la caisse, on fait wow, génial, la sensation de vitesse et tout. Et puis en fait on regrette bien vite que ça se passe pas aussi bien qu'on l'avait prévu. Et voilà la super bombe. Bon oui, c'est pas Star Wars. Ouais. Ouf. Bien joué. Comment ça, c'était un coup de bol? Non, pas du tout. C'était mûrement réfléchi, c'est une stratégie de longue haleine que j'ai mis en place après des années d'études de ce jeu. Je bullshit toujours aussi mal. Mais laissez mes scientifiques, que diable! Alors les petits carrés, tout ça, c'est vraiment la fête au slip. Alors l'astuce, une des astuces, c'est de vraiment tracer dès que vous avez des modèles d'envahisseurs un petit peu plus énervés que la moyenne, qui vous partent au cul parce qu'ils vous lockent, et tant que vous les avez sur l'écran, ils vous poursuivent. Donc il faut absolument tracer et les faire sortir de l'écran. C'est ce qui fait que le jeu en fait est pas mal foutu. Parce que du coup, il y a un équilibre entre gérer ses shoots, slalomer, et puis vite se barrer quand ça devient vraiment la panique, qui le rend complètement craquant. Le truc a un gameplay basique, limite primitif, mais ça fonctionne toujours. C'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment, si vous avez jamais mis le nez dans Defender, à l'essayer. Parce que vous allez piger que malgré sa grosse carrétitude, et ces pixels bien baveux de CRT, c'est un jeu extraordinaire qui a mis en place un concept qui prend pas une seule ride. Vous regardez aujourd'hui les petits jeux qu'on vous file sur les stores, n'allez pas me dire qu'il n'y en a pas une bonne partie qui a inspiré de ça. Donc voilà, voilà, c'était pour cette série sur les shmups, un de plus à notre collection. On va le mettre dans la case des sélectionnés. On ne le mettra pas au grenier malgré son grand âge, parce que c'est pas une bouse, mais on le mettra pas non plus dans les tops, parce qu'on va pas y revenir tous les jours dessus, bien évidemment. C'est la jouabilité des années 80, donc on est bien loin de ce qu'on a aujourd'hui. Wally Walou, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau stream, je vous laisse avec les playlists habituelles, il faut que je fasse un bruitage, regarde, et même l'abonnement, tiens. Ciao, prenez soin de vous, prenez soin des autres.